comme petite coupure. Ah, dis donc, tu parles d'un sacré paquet de bifton. C'est vrai, c'est bon, on comptera plus tard. Hein. Aïe, la cheville. Qu'est-ce qu'il y a? Un képi armé, il s'avance vers nous. Vite, la bombe dans sa piole. Le moindre bruit signalant ta présence et il ne restera de toi qu'un souvenir. Je me suis bien fait comprendre. Elle est comment? La jeune fille disparue. Elle est introuvable. Non. C'est une embrouilleuse de première. Elle cause, tu te demandes quand est-ce qu'elle respire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut croire qu'avec l'âge, on devient un con. Arrête de croire, je confirme. Une fougueuse, un pur sang. Avec elle, t'avais pas le temps de retirer tes godasses. C'est pour ça qu'à l'époque, je portais plus de lacets, mais bon. Polo, je crois qu'il est canné, elle chante plus son pouls. Ah bah c'est sûr qu'au niveau du coup, tu risques pas de sentir grand-chose. Si l'entrée de ton cerveau était payante, ça se bousculerait pas au portillon, c'est ma Vivaldi. Ritant. Quoi? Boucle-la. J'ai rien dit. Moi, toi, elle, je veux plus l'entendre. Vous commencez sérieusement à me baver sur les rouleaux. Je vous propose des Antilles, vous me répondez, pas la masse, les flots. On peut pas lutter contre ça. Ne voyez pas ça comme un flingue, mais comme une police d'assurance. Voilà. Bah la Maïf, c'est plus ce que c'était, hein. Vous voulez vraiment pas me relâcher? Elle est chiante, non? Décidément, c'est Julie. C'est un sacré numéro.